Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Maintenant, votre d'emblée avec information yo qui domine surtout avec un accord qui signé entre premier ministre haïtien avec plusieurs acteurs politiques dans le pays pour voir si capable joindre yo sorti dans crise qui fait là. Donc accord ça finalement est signé samedi passé entre premier ministre haïtien Ariel Henry avec plusieurs acteurs dans la société civile là. C'est une politique là il a trié mais il y en a des autres qui pas répondre ou bien qui patient qui patient à cause ça parmi eux il y a un leader unir là et Clarence Renoir qui patient il y a un ancien sénateur du département de l'Ouest là Jean-René Sénatus tout qui patient donc à quoi pour connait là n'a parlé là initiative là toujours dans impasse à cause en monde ça qui patient et communauté internationale là a fait gros pression sur le premier ministre haïtien li mandé pour ta gagne plus monde pour son accord qui inclusif t'avait avait dit tout monde rentrer dans accord c'est là pour capable joindre un dénouement à crise qui a saccagé le pays d'Haïtien depuis un bon bout de temps pendant n'a parlé de élection pour année 2023. Donc Conseil national pour une transition inclusive là pour avec élection transparente gain jeune de dit tout à la partie union là pas signé un document ça pour qui raison et bien mercredi 21 décembre dernier premier ministre haïtien Ariel Henry avec plusieurs structures politiques organisations société civile secteur privé économique yo tout signé document ça qui dit pour un consensus national parti politique union nationale pour intégrer ak réconciliation nationale là union qui gagne en tête les Clarence Renoir pas ouais de bonheur et document c'est là d'après responsable union là qui sont parti politique qui gagne en tête les anciens candidats à la présidence là et pour année 2015 ans Clarence Renoir document 21 décembre pas prend en compte ça qui paraît indispensable pour mener pays là tout bon vrai non pour qu'il y ait un climat d'insécurité qui calme mais pour mener pays à tout dans élection pour moment si là d'après responsable les fait pour que et Haïti conseil transition ça au conseil transition ça t'a doué gagner tout secteur politique d'après ça uni en fait qu'on est que le pas joindre la donne. De l'autre côté, parti Inelan juge que si un accord t'a doué favorable à pays et non à signateur. De toute façon, qui promet pour t'enlever une poste dans le gouvernement cabinet là, puisque t'as supposé gagner un remaniement ministériel ou l'autre gouvernement qui t'a pris tête pays pour l'administration publique là. Encore, on l'autre fois, encore, peuple haïtien n'a pas rien à bénéficier d'un tel accord. Et d'après ça, Clarence Renoir fait qu'on est, et pendant que lui-même n'est pas mis signe actuel, non papier si là. C'est la même réaction en tout. Bon côté, et Jean-René Sénatus, qui fait qu'on est que le dossier a été campé depuis un bon bout de temps. Donc, il n'a pas fait nous être trop clair comment il a signé un accord comme ça. Apporté dans l'autre point de domine actualité, un dossier la police, et bien finalement, la police nationale l'a organisé vendredi qui s'est passé là, et qui était 23 décembre 2022, et une cérémonie de remise d'un diplôme à la 7e cohorte qui sortit dans PNH là. Donc, M. Sayo, pour gagner plus de travail dans le pays, pour voir comment il est capable de batailler avec le phénomène d'insécurité, rétablir un climat pour les gens capables de vivre. Comme ça, il y a 94 nouveaux commissaires et 714 policiers qui viennent renforcer le PNH. Là. Donc, la 7e cohorte commissaire qui sort dans l'Académie Police Nationale, là, ANP, et 32e promotion policier à l'École Nationale, là, graduation ça a été faite dans le bâtiment qui est un campus à l'École Nationale Police qui se trouve à Pétionville. À côté, il y a plusieurs personnalités politiques et représentants corps diplomatique là, qui étaient là dans la cérémonie. Ça. Cérémonie ça a été déroulée tout en présence du Premier ministre haïtien Ariel Henry, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Emily Prophète,
directeur général la petit bout de police nationale là comme on a parlé de France LB plusieurs membres dans le commandement PNH là membres corps diplomatique là représentant BINU représentant institution et partenaire PNH là parents amis diplomates tout ont participé dans cérémonie ça pendant événement diplômé qui recevoir diplôme yo et côté 94 commissaire police qui sorti c'est promotion et qui fait sortir parmi eux gain 5 femmes là 94 ans et puis promotion baptisé d'être à Anton Rigaud c'était nom ancien directeur l'école police nationale là que bandit groupe vite l'homme était assassiné après nous dans date en 25 novembre passé 714 policiers eux même tout yo sorti là d'ailleurs gagné 174 femmes qui la donne c'est 32e promotion li non synergie yo également prêté serment dans occasion cérémonie ça d'après bureau coordination presse PNH là depuis les ça yo prend fonction et d'après ça directeur institution France LB déjà dit que il réaliser graduation ça 31e à 32e promotion agent PNH là ensemble avec graduation yo promotion commissaire police et action ça rentre dans cadre dans vision globale pour un policier plus opérationnel et plus professionnel d'après information qui t'a venu joindre n'a pas venir dans fête Noël là puisque week-end ça qui s'est passé là c'était fête Noël dans pays d'Haïti et bien et c'est pas seulement dans pays d'Haïti parce que dans toute planète là moun yo fêté 24 décembre 25 décembre plutôt c'est fête Noël. Donc fête ça c'est après le monde considéré tant qu'on fête partage l'amour la joie la paix tout dans mitan foyer yo et zami yo donc qu'on gagne une série de traditions que qui qu'on fête et depuis un bon bout de temps tradition ça a commencé à disparaître dans pays d'Haïti ça ne décabrelé décoration et à cause problème électricité pas gain courant monde c'est propre énergie yo gagne la caillou donc et les bagages décoration ça prend pile courant électrique donc nous n'ont pas utilisé encore nous boîte de nuit était fermé pour tout et activité tout monde dans la rue fanal nous pas trop yo mais différemment gens ça connait dans ville Gonaïve tu gagne pile machine dans la rue la veille Noël là tu gagne blocus pendant que pas gagne gaz qu'à vendre dans pop et gaz à vendre jodi à $240 à terre et pendant tout week-end là. Alors, 24 décembre, tout le monde connaît Noël, Jean le connaît, mais pour Anissa, c'est plusieurs citoyens qui ont des chances de rencontrer, soit dans la ville Gonaïve ou bien dans l'autre côté du pays, toujours parler que pas de fête Noël, même Jean le connaît, en tradition, presque aller, pas de activité. Dans la ville Saint-Maxime, même scénario, puisque le collaborateur de l'Étoile Tidot, je t'ai parlé avec quelqu'un qui a vécu dans la ville Saint-Maxime, quand il a été réalisé un micro-trottoir. Et dans ville Saint-Marc, plusieurs citoyens plaignent pour faire d'année ça parce que pas de moyens pour faire fête, pas de l'argent pour acheter marchandises, sac de marchandises, mais ils pas qu'à vendre. En pile dans citoyens, ça fait qu'on est. C'est plus mal, ça a plus mal toujours année ça par rapport avec l'année passée. Donc, il paraît que chaque année, la plus mal à cause du pays en bloqué. Tout produit pour une nécessité a monté plus raide chaque jour. C'est quelques déclarations, quelques citoyens dans la ville Saint-Marc que nous allons vite autant de micro collaborateurs nous. Yvto Altidor qui te font micro trottoir. Oui, année ça pire mal parce que dernière année. Mm-hmm. Bah, chaque année dans l'Est, on compte municipal là. Mon cher, c'est belle bagaille. Mais année ça là, presque de l'eau couille dans le jeu. Pourquoi ça de l'eau couille dans le jeu? Parce que moi, place là dans mon visite. L'autre place dans un mauvais état, comment on est? Faut-il parler? Bon, comment place là, il n'y a pas de nettoyage. Et pas belle parce que l'eau, non, l'air, ça 25 décembre, 24 décembre, là. Tout le bagage organisé net, belle. Mais quand il y a gardé, gardé vieux, il réagit. Et puis, pas de nettoyage qui fait dans la place là. Et puis, en pile de l'air, tout, même, mon l'autre bord, quand on est là. Et puis ouais même fille mon yo la vina fait ambiance bail ça yo a joué mais quand il y a là on vient là ouais place la clé place la pas gain mon la donne alors c'est une grande monde qui là a marché presque sous fatra dans qui zone nous sorti ou vient sur place là hein nous sorti dans Port-à-Gap pour habiter oui font une petite comparaison pour nous parce que nous sommes monde qui entre dans l'âge longtemps l'autre qu'on a pour fin d'année rivé fête Noël rivé avec jodi a
qui sont dit tête, qui sont posé tête comme question. Ah, année ça est de l'eau nager. L'eau dit de l'eau nager, comment ça? Expliquez-moi. Pis mal passé dernière année. Ni dans la préparation, ni dans la vie chère, ni dans alors qu'on est. C'est l'argent manger qui fait tout le monde vivre à l'aise. Mais depuis tout bagage cher, pas gagner l'argent, pas gagner mon entrée dans le pays, puis à vie en mauvais état. Ça veut dire que le pays a venu difficile. 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 Ou même en tant que grand monde, si tu as un message pour les jeunes, qui ça t'a appelé? Mais ça, je t'a voulu pour les jeunes, pour ça. Je t'a voulu pour le pays. Et nous voulons pour le pays, nous voulons dire plus parce que j'en ai avant. Nous avons des déclarations de quelqu'un dans la ville de Saint-Marc qui a réagi sur le problème qui a gagné pour faire la fin d'année. Nous avons dans l'autre point de domine actualité en question la police qui mène diverses opérations, par exemple dans le département d'Ouest Pays, qui est Augustin Carlo avec Mérisier Abner, alias Black. Deux messieurs Sao joignent l'arrestation. Direction départementale police dans le département d'Ouest a arrêté et puis a présenté la presse parce que M. Sao a gagné des armes illégales dans la main pendant l'arrestation. La police a découvert en bas point de Sao plusieurs âmes. Et puis, il y a l'autre bagaille que la police a joint d'après le porte-parole policier dans le département d'Ouest, inspecteur Joseph Léonel. Augustin Carlos, Mérisé Abner, alias Jack, selon deux individus, direction départementale police nord-ouest, présenté par la presse après-midi 23 décembre 2022 pour détention et trafic d'âmes illégales en cachette. Pendant l'arrestation, la police a découvert en bas point de M. Sayo plusieurs armes à feu côté Younayo, c'est pour la police, d'après porte-parole police nord-ouest, inspecteur Lionel. Gagné Augustin Carlos, qui était d'échelle nationale Port de Péa, qui gagné en possession de plusieurs armes, dont Younayo, ces armes police nationale d'Haïti. Équipe a dépêché sur les lieux avec juge de paix d'Imagen Maxime, ils ont trouvé deux 9 mm. Ils ont arrêté deux personnes, dont Augustin Carlos, pour trafic et détention illégale d'armes à feu. Et l'est arrivé dans le bureau SDPJ, la police a eu l'information que le gagné, ils ont marché dans le même tout. Ils collaboraient à la police. Manche longue ça que nous est là, yoté et de retirer plusieurs morceaux là, yoté fouillé dans sac oreiller la police joigne, c'est-à-dire que Carlos Augustin t'a gagné trois armes en possession. Ensuite, lui t'a dit que zame la police là c'est Mérisier Abner qui t'a vendu alias Dia qui t'a vendu et 9 mm la police là. SDPJ encore mobilisé pour mener enquête là, pour chercher joindre Mérisier Abner. Matin, aux environs de 7h30, la police a arrêté Mérisier Abner. Dans la période fête fin d'année, ça yo, bandi ont refusé de prendre congé. Côté la journée en coulant nuit, paisible citoyen dans le département nord-ouest, à victime en bas main à tout faire ça yo. Mais c'est bien compté, mal calculé, puisque la police dans le département nord-ouest a des comptes. D'après porte-parole police nord-ouest, inspecteur Joseph Léonel. C'est Jean Whisky, sport de paix, Pyramide FM. Merci en pile, c'est Jean Whisky, s'en a venu dans le département de la Tibonite, direction départementale police dans la Tibonite, opéré plusieurs changements dans le finissement week-end qui s'est passé là. Dans plusieurs sous-commissariats qui gagnent dans le département de la Tibonite, le commissariat Gaumon, le sous-commissariat Gaumon, le sous-commissariat commune Lester, le sous-commissariat commune Didune, le sous-commissariat commune La Chapelle, donc c'est une série d'opérations, côté que il y a un gros changement qui fait. Ça a entré dans le cadre d'objectif directeur départemental police là, commissaire divisionnaire Jean-Brice Miantil. Tu es fait dans le moment où tu as installé dans la tête de la direction départementale de la police dans la date qui était 3 décembre 2022.
inspecteur divisionnaire Bertin Saint-Hilaire installé dans tête sous-commissariat commune Gomone, yon commune d'après information yo qui gagne gros difficulté avec bandi k'ap ferraillé dans zone Tiboadom. C'est commissaire principal là Wesley Joseph qui était al faire installation ça. Après ça, yo était installé dans l'autre sous-commissariat ta pour Lester Dedune l'autre commandant pour capable prendre contrôle sous commissariat ça yo. Maïsa commune Gomone Hubert Syriac qui te répond à installation nouveau responsable police là dans sous commissariat commune Gomone fait qu'on est installation ça venir dans moment côté gain quelques sections communales là dans ville Gomone qui fait face à un climat insécurité sans pareil. Hubert Syriac pour mettre pour le bail toute collaboration ni bail un nouveau commandement police là dans sous-commissariat commune Gomone non dans l'autre bol de tout profiter parler tout de état pour du maison qui crasé depuis quelques mois et que responsable dans TPTC pour que j'en fais rien pour réparer et bout de pont ça malgré toutes démarches qu'elle fait bon côté autorité centrale en dans les déclarations et magistrat commune Gomone non Hubert Syriac. Faut nous dire que l'installation ça vient nos moments côté que commune tout la fait face à une situation de sécurité mais en particulier entre 5e et 6e section Savane Carré puis Pendu. Mais nous mêmes en tant que autorité civile maire commune nous toujours préoccupés par situation ça au point que nous réalisons pile atelier de travail avec la police et participons nos paquets rencontres avec la police regardons paquet stratégie ensemble comment pour nous jouer une solution à la situation. Mais faut que nous dit que inspecteur sortant qui c'est Wagner Leclerc, c'est un inspecteur très dynamique avec lui qui nous avons pas fait collaboration dans le cadre de travail que nous avons fait sous commune. Et Jodia, c'est inspecteur Bertin, inspecteur division Bertin qui est même installé, nous même comme maire, même collaboration que nous avons à inspecteur Leclerc là, c'est même collaboration ça que nous avons à inspecteur Bertin parce que des filles qui sont 6e avec 5e section, il faut que nous sommes capables de lever, il faut que la paix capable de retourner dans la localité. Ça. Qui ça nous attend de l'inspecteur Bertin? Il faut que nous disions que nous n'avons pas pile bagaille. En pile bagaille parce que il y a une situation qui a développé. Yo montrons que la police est faible, la police n'est pas capable. Alors que moi-même, moi j'ai confiance dans la police nationale moyen. Et si j'ai moyen, si j'ai un cadre humain, moyen matériel, moyen logistique et ressources humaines, si j'ai tout ça mobilisé, moi sûr et certain que n'a bien une solution à la situation. Et moi très confiant que nouveau inspecteur après le travail avec l'autre policier, avec nous-mêmes, pour nous une solution à la situation. Est-ce qu'il y a une zone de dans la commune Gomone? Généralement, yo ouais 5e, 6e section, en particulier Monsaline, Campil, Mounri, les zones de non droit. Dans tout pays parce que yo fait de action de kidnapping là et yo violé moun là et yo rançonné moun là. Donc te gagné nan mois passé yo gon ensemble d'opérations que la police te mené, plus que 70 policiers te mobilisé une mot te gagné 8 tag te gagné plus administratif, nous te fait plusieurs grandes opérations l'autre bois au point que nous te voulait éclater cellule là. Mais malheureusement te vinn gon continuité qui pas faite, ça fait que bandi yo voulait reprendre confiance mais avec détermination qui bon côté la police à bon côté responsable yo et en particulier intervention nouveau responsable là qui montre que le prend le travail, c'est pas bandio, c'est pas nous pour peur bandit, mais c'est bandit de peur. Donc, moi espérer que nous avons une solution à la situation. Mais ça qui est en perspective pour finissement année? Bon, ça qui est en perspective pour finissement année, c'est encore continuer de travail pour faciliter que Mounio capable de passer fin d'année dans la tranquillité. D'ailleurs, il y a deux zones qui ont traversé et Moun qui a soutenu dans l'Ouest à Vina Tibonite, Moun qui a quitté Tibonite dans l'Ouest. Et puis, nous avons compté tout assainir Villa. Malheureusement, nous, je dis à 23 jusqu'à présent pas gain pièce assistant de l'état central et voulait profiter de micro radio pyramide pour dire que Meria Lyon don impasse. C'est plus que 33 mois que l'état doit Meri Gomone et moi même qui parle la commère moi j'ai 26 mois pour toucher moi. Donc maintenant et nous nous fait d'année nous mandé pour l'état au moins tabaille au moyen pour faciliter go assainissement qui fait sous commune pour nous gérer propre villa et puis faciliter à quelque monde tout yo capable bon sou. Mais jusqu'à présent pas gagné pas grand qui fait au niveau de l'état central. Problème pour en toujours exister, oui, et magistrat Hubert. Effectivement, problème pour en toujours exister, mais nous faisons tout ça pour nous faire déjà administrativement. Au point que, dans le dernier, ça nous a donné comme information, c'est
c'est que la cour fin remet et fin nan ligue contrat nan mel, mais c'est l'état central qui doit décaisser pour première tranche pour faciliter que travail vienne commencer. Et nous pas souhaiter passer fin mois sans que travail pas commencer et nous souhaitons pour passer fin mois alors que nous pral en janvier. Après janvier, commune nan pral gen pour fêter aux fêtes patronales. Donc nous souhaitons que nous profiter de même micro de ça pour nous dire à autorité au niveau central que faut que yo vinn mettre maintenant pont parce que nous pas qu'à entrer dans début année 2023 voir pour la fête patronale sans que travail ça pas fait. Nous attendons des déclarations magistrat commune Gomona Hubert Seriac qui t'a parlé de l'installation et pont du maison qui a plusieurs mois depuis l'écrasé machine c'est dans rivière trois rivières obligé de traverser et les rivières en cru tout le monde s'est compétent pas de contact entre Gomon et reste Gonaïve. Donc son problème est extrêmement grave. Soyo plus passé 400 nouveaux soldats intégrés force l'armée pays d'Haïti. C'est deuxième promotion FADH là. Cérémonie graduation entre classe soldats Soyo t'est déroulé hier jeudi 22 décembre 2022 dans corps aviation qui dans Port-au-Prince. Plusieurs officiels dans le gouvernement étaient présents, parmi eux chef gouvernement, Premier ministre Ariel Henry, commandant en chef force l'armée d'Haïtien, lieutenant général Jodel Lesage, salué rentrée officielle militaire Sayo et non famille militaire, pendant le souligner difficultés soldats ont été rencontrés pendant la période formation. Yo. Lieutenant général Jodel Lesage invité nouveaux soldats Sayo pour prendre responsabilité, respecter règlement FADH là et puis continuer faire sacrifice pour accomplir mission yo qui se défend un territoire national là. Bon côté ministre de défense là Enol Joseph dans discours il remercier experts mexicains et responsable base Anacaona qui te contribué dans la formation deuxième promotion soldat FADH. Entend des déclarations, yon après l'autre, lieutenant général Jodel Lesage, avec ministre des Forces Enol Joseph. Nous avons devant nous plus de 400 jeunes hommes et jeunes femmes alliés en formation du bataillon, à l'allure très fière d'effectuer leur entrée officielle dans l'armée. Nous accueillons les bras ouverts ces nouveaux membres de la famille des Forces armées d'Haïti, convaincus que leur contribution est indispensable dans la tâche immense que nous avons à accomplir. Initiée le 29 mai 2022 à la base militaire Anacaona de Léogane, la formation de ce contingent n'a pas été sans fracas. Inutile de souligner les difficultés du site pour les personnels, les matériel, les provisions alimentaires et autres fournitures. Il a fallu une détermination constante du commandant de la base, de l'ensemble des instructeurs et des moniteurs pour boucler la période. En tout cas, le résultat est là pour prouver que les formateurs n'ont pas travaillé en vain. De toute façon, au fil des jours, nous pourrons apprécier l'assimilation des notions de courtoisie militaire, de discipline militaire, de garde intérieure, des règlements de l'uniforme, de l'entraînement individuel du soldat, des règlements généraux des forces armées d'Haïti et autres. Mesdames et messieurs les nouveaux soldats, vous inaugurez aujourd'hui une nouvelle vie, la vie de soldat, qui est une vie faite de sacrifices et de dépassement de soi. Avec l'enseignement que vous avez reçu et que vous avez pour devoir d'approfondir au fur et à mesure, nous estimons que vous êtes suffisamment armés pour accomplir la tâche qui vous attend. Il n'aurait été quoi que si ou là avec nous aujourd'hui, c'est pas forcé ou forcé. C'est un choix de grand monde qu'on fait, un choix délibéré, un choix responsable. Pour me répéter, parole du fait général Abraham, à la minute où s'il y a un engagement dans l'armée, vous gagnez 101 ans. Donc, pas de faire si vous pitié encore. L'armée, ce n'est pas un jouet. Vous avez le métier des armes. On a parlé des armes qui ont blessé les gens, qui ont tué les gens. Donc, pas de plaisanterie dans ça. C'est ça que fait. Nous avons une formation pour qu'on bien connaître les armes observées avec l'IA. Pour qu'on qu'il est ou doit utiliser, il est important pour nous toujours songer que mission nous dans l'armée, c'est défendre le territoire pays d'Haïti. C'est défendre la population haïtienne dans la balle sécurité pendant notre travail, la main dans la main avec la police. De même, il faut toujours songer, ça règlement l'armée a dit. Il faut que nous toujours respecter qu'une discipline l'armée a fort pour nous gagner une carrière militaire sans désagrément. Avec ça, l'armée a qu'à compter sur nous, pays d'Haïti, à peuple haïtien, a qu'à compter sur nous. Je vous souhaite bonne chance. Mes remerciements vont aux experts militaires mexicains qui ont contribué à la formation des instructeurs, dont
certains ont participé à la formation de cette promotion du T. Bookman. J'ai demandé aux représentants du Mexique en Haïti de leur transmettre mes remerciements et d'adjoindre le général Luis Crescencio Sandoval González, le secrétaire à la défense du Mexique, ainsi que le gouvernement fédéral mexicain, qui n'ont jamais marchandé leurs efforts pour renforcer la coopération avec le ministère haïtien de la défense. Je ne saurais terminer sans féliciter les responsables de la base Anacaona, le commandant de la base, le commandant des recrues et ceux du corps d'aviation qui se sont défoncés pour fournir une prestation de qualité malgré d'innombrables difficultés. Je tiens à remercier spécialement le lieutenant Sheila Jeune qui, depuis l'inscription et jusqu'à aujourd'hui encore, s'est donné à fond pour la mise en place de cette courotte. Aux équipes dirigeantes du ministère de la Défense, du commandant en chef et des membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, je dis merci pour la maîtrise dont ils ont su faire montre pour renforcer chaque jour notre embryon d'armée et je suis persuadé qu'ils le mèneront à bon port. Nous avons des déclarations, l'une après l'autre, lieutenant général Jodel Lesage avec un ministre en défense, Enol Joseph. Toujours dans la même occasion, le premier ministre haïtien Ariel Henry salué et puis félicité nouveau membre force l'armée d'Haïti qui choisit risque vie pour assurer la sécurité de la population. Chef gouvernement déclaré pays a besoin d'une force en l'armée bien formée et puis bien équipée pour aider la police à couper Zach Bandio. Premier ministre Ariel Henry qui ça gagne quelques mois après appelé nous dans une résolution l'été sollicité intervention militaire étranger pour venir aider nous résoudre problème qui gagne pour la sécurité en dedans pays. Li invité dans occasion graduation nouveau soldat force l'armée d'Haïti pour yo prendre discipline respect ak sens devoir comme boussole yo dans cadre exercice sa fonction yo en tant de déclaration premier ministre haïtien Ariel Henry. Nous réunis à la même époque, nous étions ensemble ici même pour participer à la traditionnelle cérémonie du chant de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je présente donc à chacun de vous et à vos familles mes vœux les plus sincères de bonheur que 2023 soit une année de réconciliation, de fraternité, de paix et de prospérité. À la fin de l'année, il est bon de faire un bilan et de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient. Je vais vous assommer aujourd'hui avec un rapport d'activité. Ce n'est ni le moment de nous. Cependant, un regard même bref sur l'année écoulée nous permet d'évaluer les points forts, les points faibles de nos actions et notre manière de servir nos concitoyens dans les différentes administrations publiques. C'est le moment de nous demander si nous avons fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour accomplir les missions qui nous sont confiées. L'année qui s'achève nous a apporté son lot de problèmes. Nous avons assumé et pris des décisions difficiles qui n'ont pas plu à tout le monde, mais que les contraintes budgétaires nous imposaient. En deux occasions, la fluctuation des cours du pétrole nous ont obligés d'amplifier les prix à la pompe. Ce n'est pas une décision facile. Et je saisis l'occasion pour souligner la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement qui l'ont assumé avec nous. Il est devenu impérieux pour les finances publiques de continuer à supporter cette saignée de plusieurs milliards d'euros tous les mois, alors que nous ne disposions pas de ressources suffisantes pour assister les plus défavorisés, ni pour atténuer les effets du choc provoqués par l'inflation galopante, ni pour faire les investissements nécessaires pour améliorer nos infrastructures, rendre disponibles les soins de santé, et encore moins pour équiper nos forces de sécurité, les maires en situation de faire face
efficacement pour grand âme. Je préfère sincère plein. Mais la peur que nous ne pouvions pas continuer à vendre à moitié prix un produit semé étranger. Il nous incombe au niveau du gouvernement de trouver les bonnes formules pour garantir la disponibilité du carburant sur tout le territoire au prix fixe. Ceci m'amène à parler de l'insécurité, de la terreur que les grandes armées font veiller à la capitale et à d'autres points du pays. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous. Le gouvernement a consenti des sacrifices pour commander certains équipements pour la PNH. Les livraisons ne se font pas au rythme que nous avons décidé ou que nous avons souhaité. Là encore, je dois souligner la solidarité des membres du gouvernement qui ont été unanimes pour lancer aux pays amis d'Haïti un appel à une assistance robuste pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire. Nous avons des raisons de croire que cette assistance va arriver. Nous en avons besoin de réaliser ce qui est la mission principale du gouvernement américain, c'est-à-dire remettre notre pays sur les rails de la démocratie, reconstruire nos institutions et rendre la direction de notre pays à des librement choisis par le peuple. Nous terminons cette année avec l'espoir que nous allons parvenir enfin à rassembler nos compatriotes autour d'un projet commun et à l'organisation d'élections libres et transparentes. Hier, nous avons lancé la signature de compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Les organisations de la société civile, de nombreux partis politiques et plusieurs associations patronales du secteur privé ont déjà signé. Qui plus est, ils ont désigné leurs représentants au Haut Conseil de la transition. Nous t'attendons des déclarations au Premier ministre haïtien Ariel Henry dans le cadre d'une graduation, deuxième promotion soldat Force l'armée d'Haïti qui fait ailleurs dans Port-au-Prince. N'a quitté département l'ouest là, nous voilà dans département nord-ouest pays en la justice dans département nord-ouest en deuil doit un tribunal première instance en ville Port-de-Paix mettre Yves Marie Périclès mouri magistrat Yves Marie Périclès mouri la caille dans après-midi jeudi 22 décembre 2022 à un moment t'a célébré 64e anniversaire après un malaise puisque mettre Yves Marie Périclès t'est souffri avec maladie asthme, les sont monde qui était asthmatique. Mais Fandi Lamot ça, Lamot doyen Yves Marie Périclès, la gay population nord-ouest là dans une profonde tristesse et désolation. Plus détail à correspondant nous Sergent Whiskis depuis département nord-ouest pays. La justice dans nord-ouest en deuil. Doyen tribunal première instance pour le permettre Yves Marie Périclès mourir. Magistrat M. Imaï Péclès, Mourila Kaili, dans la ville de Port-de-Paix, après-midi jeudi 22 décembre 2022, ça, dans le moment étape célébrée, 64 ans d'existence, li, après yon malaise, puisque M. Imaï Péclès était asthmatique. La mort doyen, M. Imaï Péclès, dans le moment où on a parlé là, la population nord-ouest dans le profond tristesse, mélangé à désolation. Merci en pile Sergent Whiskis n'a tout été dans grand nord là nous parler dans ville au cap département nord pays fondation panaméricaine développement PADF organisé une journée porte l'ouvri dans commune quartier Morin 21 décembre 2022 passé dans cadre d'un projet développement municipal à résilience urbaine. Journée porte l'ouvri ça a été déroulé en présence en haut cadre du ministère intérieur magistrat et membre société civile dans 5 communes qui bénéficient projet cela. Plus détails à correspondant nous Jean-Claude Geffra depuis département nord pays. Fondation panaméricaine développement PADF
organisé yon journée Port-Louvrier dans la commune quartier Morin mercredi 21 décembre 2022 dans quatre projets développement municipal à résilience urbaine MDUR. Pendant activité ça, dirigeant PADFIO te présenté bilan travail, bétonnage, tirage canal et installation lampadaire réalisé pendant environ deux l'année dans la commune Milo, Plaine du Nord, Lacule du Nord, à quartier Morin qui dans département Nord. Journée Port-Louvrier ça te déroulé en présence rocade dans ministère intérieur, magistrat et membre société civile, cette commune bénéficiaire. Charles Edouard Jean, ce directeur projet PADF, lui satisfait des travaux qui fait. Toutes les communes, tous les riverains des tronçons de rue attenant aux tronçons réhabilités ou construits demandent la construction des leurs. Chaque solution apportée met en évidence un autre besoin à combler. Les demandes d'installation de lampadaires solaires, de construction d'ouvrages de drainage, de réhabilitation, d'infrastructures pouvant servir d'abri provisoire, pour ne citer que celles-là, sont nombreuses. On a pu énumérer 29 nouveaux sous-projets, 29 nouveaux tronçons de rue méritant d'être construits dans les 5 communes. Fort de tous ces vides non encore comblés, la PADF se sent animée d'un double sentiment de satisfaction et d'impuissance. Directeur collectivité territoriale dans le ministère intérieur, Maliou Etienne, qui était présent dans la journée Port-Louvrier, content de ce que le travail s'il a réalisé. Une série de travail qui a un gros impact positif sur la vie habitant dans la zone bénéficiaire. Nous avons un sentiment de satisfaction. Parce que tant de riverains ont parlé, ils ont senti que les situations les tirs, magistrat ak représentant mairie cinq communes bénéficiaires projet MDILA te prend la parole. Yo remercier PADF qui te met ouvrage là ak Banque Mondiale qui te baille l'argent pour travail yo te réalisé. N'a fini pour dire dans Libonade gen 994 mètres de route qui construit. Dans Plaine du Nord c'est 684, Lacule du Nord 486, Quartier Morin 685 et puis Milo c'est 940. Pile Jean-Claude Geoffroy n'a pas allé dans le département de l'Ouest là, dans la zone Croix des Bouquets, la criminalité continue à augmenter chaque jour plus. Il y a un petit monde qui a gagné 8 l'année, bandit à exam, kidnappé et puis assassiné. Brian Jeffrey, monsieur gagne 8 ans, c'est un petit monde qui a kidnappé depuis samedi 29 octobre 2022 dans la zone Meyer qui est son localité dans la commune Croix des Bouquets, dans l'entrée nord capitale là. Dans le demain, soit le 30 dans même mois ça, il était exécuté Timoun non, c'est monsieur qui était kidnappé l'autre qui fait zak ça alors que pareil était déjà offert $50,000 haïtiens en échange à libération. En revanche, t'a gagné 4 moun parmi eux, yo arrêté par la police, c'est l'honnête Sando Rival qui t'a vive avec Timoun non dans même Kailan depuis presque 2 mois. L'autre monde y arrêté yo c'est Dinaldo Augustin Renan Regis alias Black avec une dame qui est Liberta Marcelin mademoiselle était identifiée par la police comme épouse Black là. L'autre point qui domine l'actualité, la police dans le département, toujours département de l'Ouest, mais c'est dans la ville Tigouave, a fait une grosse opération côté OTA, arrêté Youth African Drug et puis saisi une dizaine de cartouches dans la main. Dans le contrôle de routine qui a effectué par la police hier après-midi dans le local d'entrée Nord-Ville Gangouave, plutôt, il y a Jean-Claude Auguste. Youth a arrêté lui, monsieur, et il y en possession. Yon paquet zeb sèche qui t'assemblé avec marijuana
et puis il te gagne un total de 35 cartouches en calibre 5.56 dans meni. Pour qu'on est là, nommé Jean-Claude Augustin placé dans garde à vue en attendant suite judiciaire après yo ta fin kembe là avec quantité d'oxy là. Yon l'autre bout, la police nationale pays d'Haïti mandé à la population pour poser tête chaud sous épaule yo, rete tête frette, puisque ministère de la justice et sécurité publique, ensemble avec la police nationale, mettait en place un plan général de sécurité pendant la période de fête Noël là avec fin d'année. Selon communiqué qui t'a sorti dans le ministère de la justice, et ça pourrait aider la population haïtienne à faire activité librement dans Port-au-Prince et plusieurs autres côtés dans le pays, d'après les dernières informations qui t'a venu joindre. Il y a un gros changement qui poté dans le tribunal de première instance en Port-au-Prince. Il y a un juge Chavanne Etienne qui désigne comme doyen tribunal de première instance en Port-au-Prince. Il a remplacé M. Bernard Saint-Ville. N'a parlé dans l'autre point de l'actualité, on a venu dans Balatibonitlan, dirigeant syndicat, chauffeur et propriétaire machine dans Balatibonitlan, dit yo gen gros tête chargé par rapport avec gens situation insécurité a fait là, c'est un trail en chauffeur ça a passé dans département de Balatibonitlan pour y aller Port-au-Prince, yo obligé passer par route Mianbalea, une route qui déjà en mauvais état et qui a crasé machine yo, c'est seulement deux voyages yo capable faire dans une semaine. Edzer Pierre avec Olé Saint-Pierre qui c'est deux dirigeants syndicat chauffeur dans Balatibonitlan fait qu'on est yo quand si yo te prend décision pour ta camper mais c'est toutefois yo ta camper avec Tibusio mais qui ça yo pour le joindre pour bailler en famille manger en tant de déclaration. Edzer Pierre avec Olé Saint-Pierre qui c'est deux membres syndicat propriétaire machine dans Balatibonitlan. Nous ouvrons route pour la ligne pour nous passer. Mais bon, vérité. Parce que l'eau pas attendre, nous tendons de dire que nous prenons machine. Mais aucun bête de machine, aucun bête de machine. Ou pas capot de tête ou aller. Mais machine à caille, puis pour ensemble avec machine à caille, actuellement là, au campé. C'est camionnette seulement qui volait passer. Mais pour petit bis, pas un sa pièce. Gros camion, pas un sa tout. Mais ça veut dire nous bouler plus gaz, comme nous faisons avec passagers. Ah, mais bouler gaz, ça. Préférer ce gaz, c'est bouler, mais route côté nous faire. Machine est démolie ou démolie. Bon, même si on a l'eau en panne, tout nous en panne. On est obligé quand même d'aller, mais dans toute sens. Et même avec les gars de faire camper. Tu campes dans les deux camper parce que nous n'avons pas avantage dans aller. L'eau a venu encore, on dormit dans la route. L'eau vient ici, il y a des gens qui ne peuvent jamais aller, il faut qu'ils aillent tout. Les gens qui allaient aller, on a fait des voyages par semaine. C'est déficit total? Déficit total, il n'y a pas d'avantage là-dedans. Nous sommes obligés d'aller au pain, mais de toute façon, pas de bagage qui est plus ou moins. La chance pour nous, c'est l'autre bord. Ça va ajouter. Et ça m'a ajouté, c'est toujours les mêmes, ça, camarade, dans ce dire, parce que nous-mêmes, son bagage nous fait pour nous sauver la situation, ni passagers, ni chauffeurs, ni propriétaires, parce que c'est lui, nous connaissons nos bagages, notre initiative, nos affaires, si nous ne pas faire, nous ne pas manger. Le nombre de machines dans nos charges, là, dans le Port-au-Prince, où il veut faire le langage avec elle. Où dormir Port-au-Prince, le charge tourne encore, le rivé, et mi balai ou bien verre pour dormir pour venir ici pour venir faire le langage. Quoi vous faire presque pas arrêter 2000 là-dedans. Mais nous même nous obligés de faire parce que c'est pour nous faire pour nous manger, pour nous bailler petit nous manger, pour nous bailler famille nous manger. Mais seulement m'a souhaité pour le gouvernement d'avoir me lever pour nous. Dans le jour qui venir pour le tabac dans le pays, pour pas ici si mourir parce que nous presque fin mourir, quand vous presque fin jouer. Je fais aucun compte banque dans nos vies retourner. La banque a venu demander dans l'argent. Nous n'avons pas de compte suffisamment pour nous travailler. Dans mois pour nous payer la banque. Nous sommes obligés à la mascaille. Nous n'avons pas de compte pour nous faire. Ça nous fait assez compte pour nous faire. Nous manger. Nous avons entendu des déclarations Edzer Pierre et Olès Pierre qui sont deux membres du syndicat, chauffeur et propriétaire machine dans Balatibonitlan qui a parlé dans le micro collaborateur. Nous, 1100 Madeus. Nous avons sport avant d'aller puisque la fièvre mondiale la continue à quitter en pile ce qu'elle est. Il y a un classement mondial FIFA qui paraît Argentine vient en deuxième position des deux équipes en Brésil là qui est en tête classement. Donc ni Argentine, alors ni Brésil ni Argentine, ils prennent devant la France dans tête classement mondial là. Haïti trouvé dans 87e place dans classement FIFA mette dehors depuis hier 22 décembre sans affaire football. C'est là que nous mettons bout à développement journal vérité sous tambour n'a tourné pour nous prendre quelques points de développer pour un journal ça.
plus que 400 soldats, nouveaux soldats intégrés force l'armée d'Haïti en une cérémonie de graduation qui est faite pour deuxième promotion classe soldat force l'armée d'Haïti hier jeudi 22 décembre 2022 dans corps d'aviation devant premier ministre haïtien avec l'autre officiel dans gouvernement. Juge Jean Chavanne Étienne désigné comme doyen tribunal pour un petit bout de temps dans Port-au-Prince, il remplace Maître Bernard Saint-Ville. Dans la commune Croix des Bouquets, bandi a examen ta kidnappé yon ti moun ki gen 8 l'année et puis assassiné la après malgré famille te bay ravisseur yo $50,000 haïtien. Zak criminel sa passé dans localité meilleur. La police nationale mandé à la population pour rester calme parce qu'elle décide de garantir la sécurité dans la fête Noël et le finissement de l'année d'après une note qui sortit dans le ministère de la Justice. C'était Point Sayo avec divers slots qui ont été développés pour un journal Vérité sous tambour qui c'est 5e et dernier sorti pour la semaine. Ça. On dit tout le monde remercie le fait que vous avez été fidèle pour être informé sur Radio Pyramide. On a profité occasion ça, occasion fête Noël là pour nous souhaiter l'amour, la paix, réconciliation avec courage et persévérance puisque situation chaque jour paraît difficile et chaque année qu'a venu Noël là ensemble avec finissement année a toujours plus difficile. Yo te fouye dans sac oyé, la police joine 3 âmes en possession. Ensuite, li te dit que zame la police là c'est Mérisier Abdé qui te vendu alias Dia qui te vendu 9 mm la police là. SDPJ encore mobilisé pour mener enquête là pour chercher joindre Mérisier Abner. Matin aux environs de 7h30 la police arrêté Mérisier Abner. Dans la période fête fin d'année sa yo, bandi ont refusé de prendre congé, côté la journée en coulant nuit, paisible citoyen dans le département de l'Ouest a victime en bas main à tout faire sa yo. Mais c'est bien compté, mal calculé, puisque la police dans le département de l'Ouest a dans des gonds yo. D'après porte-parole police Nord-Ouest, inspecteur Joseph Léonel. Et c'est un peu dans ces gens risqués, ça n'a pas dans le département de Tibonite, dans la direction départementale police, ça n'a Tibonite, opéré plusieurs changements dans le finissement du week-end qui s'est passé là, dans plusieurs sous-commissariats qui viennent dans le département de Tibonite, dans le commissariat Gaumont, dans le sous-commissariat Gaumont, dans le sous-commissariat commune Lester, dans le sous-commissariat commune des Dunes, dans le sous-commissariat commune La Chapelle, donc c'est une série d'opérations, côté que il y a un gros changement qui est fait. Ça a entré dans le cadre objectif directeur départemental police là commissaire divisionnaire Jean-Brice Mirtil t'es fait dans moment t'a installé dans tête direction départementale la police là dans date qui était 3 décembre 2022 là. Inspecteur divisionnaire Bertin Saint-Hilaire installé dans tête sous-commissariat commune Gaumont, yon commune d'après information yo qui gagne gros difficulté avec bandi k'ap ferraillé dans zone Tibois-Dom. C'est commissaire principal là Wesley Joseph qui était al faire installation ça. Après ça, yo était installé dans l'autre sous-commissariat ta pour lister d'une l'autre commandant pour capable prendre contrôle sous commissariat ça yo maïsa commune Gaumont Hubert Syriac qui te répond à installation nouveau responsable police là dans sous commissariat commune Gaumont non fait qu'on est installation ça venu dans moment côté il y a quelques sections communales là dans ville Gaumont qui fait face à un climat insécurité sans pareil. Hubert Syriac pour mettre pour le bailler toute collaboration ni bailler un nouveau commandement police là dans sous-commissariat commune Gaumont non nous l'autre bol de tout profiter par les tout de étape du maison qui crase depuis quelques mois et que responsable dans TPTC pour que j'en fais un pour réparer et bout de pont ça malgré toutes démarches qu'elle fait bon côté autorité centrale en dans les déclarations et magistrat commune Gaumont non Hubert Syriac. Faut que nous disions que l'installation ça vient non moment côté que commune tout la fait face à une situation de sécurité, mais en particulier entre 5e et 6e section Savane Carré puis Pendu.
Mais nous-mêmes, en tant qu'autorité civile, maire communal, nous toujours préoccupés par la situation ça, au point que nous réalisons pile atelier de travail avec la police et participons à un paquet de rencontres avec la police, regardons un paquet de stratégies ensemble, comment pour nous jouer une solution à la situation. Mais il faut que nous disions que l'inspecteur sortant qui s'est Wagner Leclerc, c'est un inspecteur très dynamique avec lui qui n'a pas fait de collaboration dans le cadre de travail qu'on a fait sous communal. Et je dis à l'inspecteur Bertin, l'inspecteur divisionnaire Bertin qui est même installé, nous-mêmes comme maire, même collaboration qu'on débat à inspecteur Leclerc là, c'est même collaboration ça que nous avons à inspecteur Bertin, parce que défi qui sont 6e avec 5e section, il faut que nous capables de lever, il faut que la paix capable de retourner dans la localité ça. Qui ça nous attend de inspecteur Bertin? Faut que nous disons que nous appartenons en pile bagaille. En pile bagaille parce que il y a une situation qui a développé. Montrons que la police a les faibles, la police n'est pas capable. Alors que moi-même, moi j'ai confiance dans la police nationale moyen. Et si j'ai moyen, si j'ai un cadre humain, moyen matériel, moyen logistique et ressources humaines, si j'ai tout ça mobilisé, moi je suis certain que nous avons une solution à la situation. Et moi très confiant que le nouveau inspecteur après le travail avec l'autre police, avec nous-mêmes, pour nous avons une solution à la situation. Est-ce qu'il y a une zone de non-douane dans la commune Gaumont? Généralement, il y a une 5e, 6e section, en particulier Monsaline, quand le monde les zones de non-droit dans tout le pays parce que vous faites des actions de kidnapping là et vous violez les gens là et vous rançonnez les gens là. Donc, il y a un mois passé, il y a un ensemble d'opérations que la police a mené. Plus que 70 policiers étaient mobilisés, une moto, il y a 8 actes, il y a plus administratif. Nous avons fait plusieurs grandes opérations dans l'autre bois au point que nous avons éclaté celui-là. Mais malheureusement, nous avons une continuité qui n'est pas faite. Ça fait que les gens voulaient reprendre confiance. Mais avec détermination qui est bon côté la police, à bon côté responsable, et en particulier intervention nouveau responsable là qui montre que le prend le travail c'est pas bandio c'est pas nous pour bandit mais c'est bandit de peur. Donc moi j'espère que n'a bien une solution à la situation. Mais ça qui ça n'y a perspective pour finir cette année. Bon, ça t'a en perspective pour finissement année, c'est encore continuer de travail pour faciliter que moun yo capable passer son fin d'année dans la tranquillité. D'ailleurs, il y a deux zones à traverser et moun cap soutenir dans l'ouest à venir à Tibonite, moun cap quitter à Tibonite dans l'ouest et puis m'te compter toi assainir ville là. Malheureusement, nous aujourd'hui à 23 jusqu'à présent pas gain pièce assistance de l'état central et m'vle profiter de micro radio pyramide pour dire que mairie à Lyon don pas c'est plus que 33 mois que l'état doit mairie et moi-même qui parle la commère, moi j'ai 26 mois pour tout sur moi. Donc maintenant, nous nous fait d'année, nous demandons pour l'État au moins un moyen pour faciliter le assainissement qui fait sous commune, pour nous gérer propre villa et puis faciliter à quelques monde tout capable de ressources. Mais jusqu'à présent, pas gagné qui fait au niveau de l'État central. Problème pour toujours exister, oui, et Maïsa Hubert. Effectivement, problème pour toujours exister, mais nous faisons tout ça pour nous faire déjà administrativement. Au point que notre dernier ça nous comme information c'est que la cour fin gomettre et fim nan ligue contre anamel mais c'est l'état central qui doit décaisser pour première tranche pour faciliter que travail vienne commencer et nous pas souhaiter passer fin mois sans que travail pas commencer et nous souhaitons pour passer fin mois alors que nous parlons en janvier après janvier commune n'a pas pour fêter au fête patronale. Donc nous souhaitons que nous profiter de même micro de ça pour nous dire à autorité au niveau central que faut que vous mettez maintenant pont parce que nous pas qu'à entrer dans début année 2023 voir pour la fête patronale sans que le travail ça pas fait. Nous attendons des déclarations magistrat commune Gomona Hubert Seriac qui t'a parlé de l'installation et pont du maison qui a plusieurs mois depuis l'écrasé machine c'est dans rivière trois rivières obligé de traverser et les rivières en crue tout le monde s'est campé tant pas un contact entre Goumon et Res Gonaïve. Donc son problème qui est extrêmement grave. Pour le Canada, c'est Chinois, la panne. Vraie force d'arrivée. La ajoute Kevin Bay en opération moins 1 plus 1. Ça veut dire moins 1 plus 1 dans 0. Donc en quelque sorte, section ça pas possible pays à grand chose. Pas possible de bon. Il n'y a pas de pays à grand chose dans le scénario de remplacement. On va les analyser, pas forcément dire des barrières qui. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour l'élargir jusqu'à fin millions? Ouais, par exemple, c'est un cas, sénateur Libéral, nous avons communiqué en ambassade américaine, nous avons demandé la donne.
OK, donc Kouya, peut-être pas qu'on s'y fait pour l'autre Mounio, et si peut-être ce jeune communiqué en a gardé, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour élargir à des autres monde qui a fait des transactions en s'en avoir tout? Oui, je dis ça. Oui, c'est même l'argent. Non, je dis ça, oui, je dis ça, c'est ça qui fait un temps pour Yumi la tortue, qui jouait à l'intelligence, se rappeler bien, près de 24 à 48 heures après décision Canada avec États-Unis, Yumi mettons notre dehors. Il lui dit comme ça que lui pour lui retirer col dans tout business que tu es pour la dalle en attendant que lui m'y a fait. Ok. Donc sûrement intelligent que lui, homme de loi veut dire, lui peut-être pas connaître, lui va être judiciaire qui peut-être renforcer la décision ça. Qui t'a fait que demain matin, ou pas qu'à décider de l'ambition sur la saison sur base de lui. Parce que lui retire col, lui va la dalle encore. Tout par contre, vous comprenez. Eh bien, demain matin, tout dans quelle théorie de remplacement sur le consultant, par exemple. Mais vous avez fait ça aussi, vous pouvez bien saluer le monde. Mais vous avez décidé de ces petits qui ont géré le business. Mais ils ont fait des actions avec eux. Ils sont là sur mon business. Si vous avez business, sur mon business. Marron, vous pouvez bien. Donc, on a là ces petits qui ont mené toute opération. Mais là, qui ça, ça, pour arranger ou bien déranger le pays? Non, rien. Parce que vous avez décidé de toucher ton côté à tirer le là toujours. Tu as décidé de côté, bon, tu n'as pas compris le sous-mère encore, tu n'as pas utilisé le sous-mère encore pour faire des transactions, tu n'as pas compris la question de commander le sous-mère, etc. Soit son particulier, qui n'est pas forcément eux-mêmes, ou bien c'est petit. Et puis il a frappé. Oui, nous avons des gens qui ont des biens qui passent sous-mère. Bien la vie, c'est sous côté, ou pas un bien riche passé. Oui, on va besoin. Même si je travaille, il y a 6 000 et 5 000 gouttes. Et bien, ça va pas aller, maman. Si tu fais 5 000 gouttes, tu peux faire une 2 000 gouttes et vous saisir du coup. Pourquoi on a dit, et par exemple, comment on fait des petits comme ça? Mais là, il y a des gouttes. Là, je vais sur le monde. Là, je vais être sur le monde, il y a des gouttes sur le monde. Et puis, on va passer des gars pour venir à voir, quoi, ça, moi. Son riche, il s'y croit. Vous comprenez? Donc, pour finir, monsieur, en guise de conclusion. C'est aspect justice là. Pour tout le bagage, ça y est, mes chers amis. Pour la justice haïtienne, par exemple, font comme si. Pour dire, ah, vous avez dit que vous parlez sur le secteur politique, dans le secteur politique, dans le secteur privé. Les États-Unis et le Canada sont en train de communiquer la voie de ces sanctions. On a regardé que ça va là. Monsieur, est-ce que vous pouvez informer au moins, bon, velléité pour côté autorité judiciaire ici, parce que quand même, il n'y a pas de citoyens haïtiens, pas n'importe lequel, c'est des citoyens haïtiens qui soi-disant impliqués dans une série de dossiers louches, dans le drogue, dans le blanchiment, l'argent, dans la corruption, dans la gamme. Comme si vous ça va intéresser en pièce autorité justice pour nous dire que nous avons des données là, bon à le Canada, bon à le les États-Unis, pour nous donner des bails supplémentaires pour nous avancer. Et qu'on y a commencé contre un homme. Pour dire ça, il n'est pas facile ici pour eux, vous arrêter un gros chat black, mais vous arrêter un proche, un gros chat black ici. Et quand on a commencé à comprendre, pour qui ça, mais vous avez cherché le contrôle justice là depuis la politique là. Ça vous en raison qu'il faut, je vous dis à là, il y a des circonscriptions, il y a des zones de pays là, pour un juge nommé ou bien pour mandat un juge renouvelé, il faut y aval un secteur politique bien particulier. Et quand vous souvenez le 27 jours, pour gagner, pour témoigner gratitude ou reconnaissance envers nous à travers l'action, nous avons besoin de nous, nous avons besoin. Il faut faire une nomination, ou bien pour la promotion du système, ou bien tout. Vous tracez le côté capi bon pour vous, nos zones capi bon pour vous, pour même passer c'est gratuit. Vous voyez comme ça, c'est les chefs sans besoin de service. Soit le besoin de l'idée au monde, soit le besoin de blanchir dans le bagage, le besoin de ceci, le besoin de cela. Sinon, vous savez le monde là, les États-Unis disent, le Canada dit qu'il y a une mauvaise affaire. Et bien, je vous dis, nous avons dit qu'il y a une mauvaise affaire. Il y a fait des actions ici qui vous prouvent qu'il y a une mauvaise affaire. Donc, ça, juste si ça attend, je ne sais pas. Donc, voilà, madame, monsieur, vous avez essayé de regarder l'impact. Qui ça a été gagné et comme répercussion sur le pays, mais qui ça sanction ça a été capable de payer. Bon, on se dit ça, on a résumé les sanctions Canada là, là. Oui, il est très significatif, il permet que au moins nouveau système qui presque arrive dans le bouclier, mais attention pour le régime, parce que c'est bien de visa suivi à pied. Est-ce que M. Zahar va pouvoir changer visage? Vous comprenez? Il paraît sous développement. Est-ce que M. Zahar, si
le condamné pour la chambre de pays pour aller utiliser le monde pour venir avec nous, on ne sait pas parce que la dernière élection là, il n'y a pas quelques petits jeunes qui veulent les candidats, ou bien il n'y a pas quelques petits jeunes qui disent les candidats, il ne faut pas étonner que les Zayo viennent là, récupérer les jeunes Zayo, mettre des bons moyens à la disposition. Comme nous dit, ces jeunes qui vont commencer à prendre les stèles à la main, et puis on met des bons l'argent dans les jeunes Zayo, et puis lorsque ces jeunes Zayo viennent élus, on pense que c'est pour l'autre facteur sur les ouvriers, c'est même les Zayo qui nous doivent contrôler à travers le même système, même ça nous est établi. Bonjour. Bonjour Johnny, donc on a obtenu peut-être sanctions Nations Unies qui probablement capable applicable pour citoyens n'importe qui pays. Sur le même sujet, ça a gagné économie, alors économiste Eddie Labossière qui fait qu'on a économie haïtienne n'a pas affecté en pile à cause des dernières sanctions au Canada après un compte quelques monde dans le secteur privé en Haïti. Le fait qu'on a un secteur caractérisé à qui porte à terre, en place producteur, qui n'a pas respecté avec joueur commercial. Monsieur Labossière a appelé ça a gagné un gros soupçon de corruption à contrebande sous dos. Sans arrêter la drone qui en bas contrôlé. D'après l'économiste haïtien, sanctions Sayo, c'est une opportunité pour gagner un nouveau classe businessman patriote en Haïti, tant qu'en diaspora haïtienne. Écoutez, Eddie Labossière qui t'a préparé une question, Micheline Alexis. Ce qui est évident, je dis, le fait que dénoncer mettre en dehors, et bien, ça a commencé à avoir ses caractères, il a transformé tout actif en dollars. Donc, et ce faisant, demande de l'eau très faible, la de la nuit. Donc, ça gagne le fait que vous sanctionnez alors que vous avez un gros problème dans l'économie de l'Haïti. Non, mon cher, il n'y a pas rien pour moi. Je fais des sanctions électoraux depuis longtemps, mon cher. Je ne sais pas si nous n'avons pas fait de travail. Sur les grandes directions et supervision des banques en banque centrale, toutes transactions qu'ils doivent faire, pas que de l'argent qu'ils doivent penser à l'étranger. C'est de l'argent qui pague un compte parti en activité qu'ils doivent faire, mon cher. C'est des bails qu'il y a à la droite, donc c'est tapé une route. L'économie, ce n'est pas pour l'économie. Il n'y a plus de l'argent. Il est un peu malheureux. Il n'y a pas tellement de gros transactions à faire, en quelque sorte. Comment à qui est pas capable de l'économie, ce n'est pas qui existe. C'est pas un faillite. C'est pas un misérable. Fort, c'est lui. C'est pour l'économie, vraiment, côté vraiment bon marché. Ou bien, mon gars travaille, ou bien, gros consommateur. Ou bien, tu as un petit peu imaginant, les petits consommateurs. Mais qu'est-ce que tu as fait? Certainement, il faut attendre. À pire, parce que les gens ont attaqué la défense. Mais c'est pas en termes de volume de transactions, les gens qui ont importé, ont toujours importé, même les gens qui ont des grandes des importations, ont continué à faire. Au contraire, les gens ont été faits. Pas quoi que les gens savent retirer comme dans l'économie, ils ont retiré tout le balai, ils n'ont aucun côté de balai. Parce que sanctionner déjà, parce que la bruit terrible, pas quoi que ça bon brin, pas coûté mesure sur l'économie, en sauf qu'on n'a pas la voilà, les gars prendront 50 dollars à bien serré, d'accord. Mais si les gars sont importateurs, parce que la plupart des hommes d'affaires dans ce pays, c'est pas des qui prennent un risque en pays, on va quoi dans le pays, donc c'est un point export qu'ils ont fait. Et on a plus gros problème. Non, si les gars étaient dans la production nationale, on leur fait méchanceté à Kimbo quand même. Il y a qu'un mot, oui. C'est tout à fait dit, bon, pas faire méchanceté, fait barrière d'autres. Si vous êtes dans la production nationale, oui, ça ne va pas être tout le pays. Mais vous êtes dans la production nationale, c'est important d'être dans n'importe quel pays. Et vous parlez, vous parlez n'importe quel pays, vous êtes paré pour prendre place. Parce que vous n'êtes pas significatif, vous n'êtes pas gagné pas. Sauf que vous êtes bon, vous avez gagné quelques business, si vous faites mes deux, trois mondes différents. Vous n'avez pas gagné difficulté pour continuer à importer tout. Non, vous n'êtes pas importé, vous n'êtes pas exporté vers Haïti, par ici, pas qu'à jouer nous-mêmes comme importateur de la bien. Supposons ces machines territoriales qu'on importe. Quand tu es mon guillemets ouvert, on dit les territoires parce qu'on a été son seul gain dans le monde entier, il y a plusieurs. Pas une compétition en Haïti. Non, bah quoi, ça, c'est important de négocier. Et c'est passé. Et bien, on a fait, c'est exploiter, on a exploité des pays. Il y en a haïtien, on a importé du vendre. Donc, à partir de ce moment, on peut sanctionner, bien sanctionner. On fait mes potes, mon cher, on a dit merci, mon cher, on va l'importer. Vous dépendez trop qu'il y a même pas l'importer. Mon qui a été payé dans le cap fond, on a bien content. C'est là parce que c'est sur la pétrole, les marchés la pièce. Donc, tu vas avoir de nouveaux marchés. Parce que dès que ça a bénéficié, c'est des bénéfices qui sont là. Il y a votre business, il y a son paquet là. C'est fait au monde. Non, parce que quand on a été mis du marché, il y a pas de gaz, il y a chaque mois, il fait 4 à 7 millions de dollars. On peut dire que ça va commencer, mon cher. Je vais dire, on a un secteur, il faut faire l'argent, mais il faut un minimum de conscience, mon cher. Mon cher, c'est toute la classe politique, économique, il faut
pour changer dans le pays. On vient avec une autre classe économique, oui. Et si c'est le problème pour eux, les gars, c'est l'économie, il faut faire l'argent, il faut faire l'argent, il faut aider à faire l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas gagné des éthiques, que la petite des éthiques que pour suivre. Ça ne veut pas dire que vous faites des bagailles malhonnêtes. Donc il faut changer les classes pour classe homme d'affaires comme il y a là. Il disqualifie tes pieds. Il faut qu'on ait une classe. Voilà la créole pour l'occasion à Paris pour suivre avant de venir avec réaction Maître Camille Oxymus qui est qualifié, qui fait comme sanction. Le gouvernement américain canadien prend compte série politiciens et businessmen dans le pays en continué. En tout cas, j'en dis la sauver et réaction bon côté organisation droit mondiaux et pour organisation citoyenne pour un nouvel haïtien. C'est une série de sanctions politiques mais qui vient à donner un peu l'élément important pour la justice haïtienne. Faut qu'on dit hier, on a dit parler, on a fait avec sénateur Joseph Lambert, suite à Wimmer Sa, qui t'a séculé comme quoi tu as gagné, et agent FBI avec BLTS, mon côté qui est sénateur Delma 40B. Donc, le sénateur a dit il est étonné, tendu et parole ça, puisque lui-même, il a carré d'ailleurs, c'est inventaire, il a fait de bien meubles à qui même le Sénat républicain, puisque deuxième lundi janvier 2023, donc il faut qu'il remette tout le matériel le Sénat qui était en main lui, et c'est ça, l'a préparé dans le moment ça. Donc, question agent BLTS, FBI, qui était dans la zone de la carré, pas de ça du tout, et selon équipe communication sénateur Joseph Lambert, tout ça qui a fait là, il fait partie de la campagne intoxication et manipulation pour le public. D'après le bureau, cette communication sénateur Joseph Lambert, il faut tout dire. Deuxième lundi janvier 2023, premier ministre Ariel Henry, et absolu chef, bon, jusqu'à présent, c'est le chef, même pas de lui, ouais, parce que là, le 1er janvier 2023, on a dit premier ministre Ariel Henry. On a dit, waouh, waouh. Là, dit du Sénat, du Sénat, tu as un minimum de légitimité, il n'y a pas de bien encore. Un bon matériel, vous pouvez dire que désormais, pas de bien encore. Oui, mais oh. Désormais, pas de premier occasion que vous ne vous avez pas. Donc, ça veut dire, deuxième mois de janvier là, pas de bien, ni Abdel, ni Patrice Dumont, et qui est-ce encore? Oui, Célestin. Oui, Célestin. Mais même le sénateur oublié, oui, c'est. Même le sénateur oublié, oui. Non, il y a fait. Oui, le sénateur est allé très jeune, oui. Pourquoi il te baille vague? Non, mais non, 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 c'est. Oui, mais ça, c'est. Bon. En tout cas, mon groupe même qui disait la RD de Jomène et nous, et Jomène et nous, oui, ça a une institution à payer. Vous avez une institution. Ah, vous pouvez le premier, premier. Ok, bon débat avec le maître Camille Oxymus, d'ailleurs, qui réagit sur question et sanction. Maître Camille Oxymus, bonjour. Bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Johnny Ferdinand qui vient saluer les médias notre nom, saluer tout le monde de CNH. C'est un plaisir pour ce moment pour l'invitation maintenant pour nous faire parler. Réaction sous sanctions du gouvernement américain et canadien. Selon OCMH, sanctions SAIO, c'est les sanctions politiques, mais qui gagnent. Un peu l'élément important que la justice haïtienne, TACA, vous-même utilisez. Oui, effectivement, guerrier et OCMH comme organisation qui a défendu la monde, nous gagnons une position sur question sanction. Bien entendu, et position nous capables de présenter des autres, mais cependant nous-mêmes, nous faisons une approche sur le plan technique et comme nous travaillons pour nous faire promotion pour la monde. Donc, nous avons intérêt pour que nous positionnions sur la question. Alors, derrière, et nous pas oublier, ça a gagné plusieurs mois, plusieurs années même depuis, pour gagner une population qui est en souffrance, qui n'est pas capable de jouir de ça, de travailler les libertés fondamentales, gagner un pile kidnapping, un pile insécurité, un pile violence sous forme maximale. Donc, citoyens paisibles viennent tous les prisonniers. Même qui était construit, qui était propriétaire d'une tournée locataire,
Donc, dans ce sens-là, on a un pays qui est bagaille à mal marché. Donc, étant donné, il y a des crimes qui ont des impacts, même sur le plan international, à noter que nous sommes kidnappés, selon ça, on dit, 17 Américains et le Sahara. C'est pas haïtien, c'était américain. Ils ont kidnappé Canadien, ils ont kidnappé Cubain, ils ont kidnappé Italien, ils ont tué un tout. Sans ne pas oublier, milliers, centaines haïtiens qui ont tué. Donc tout ça, c'est conséquence de sécurité. Maintenant, étant donné, Haïti n'a pas fonctionné en vase clos, gagner pays international là, qui estime eux-mêmes leurs victimes tout et pas oublier et le fait qu'on va fonctionner en Vasco, question gouvernance quand il est intéressé à le pays tout. Donc nous cherchons solution. Le fait que la communauté internationale du gain partition parle pour jouer pour aider pays en sortie dans sa vie là, nous cherchons solution. Il y a des pays qui vivent, ils gagnent information. Il y a des citoyens haïtiens qui arrivent en Haïti. Qui participent dans le Baïzam, dans le trafic d'influence, dans le droit. Bon, c'est créé. C'est les bases pour le développement. Dans ce sens, yo même, yo pas gagné possibilité pour yo les citoyens ça au tribunal parce que yo pas prêt yo à flagrance, yo seulement gagné des informations. Étant donné yo dit yo même, yo pas quitté pays comme un boulevard, yo voulais montrer à ce pays et yo dit ça qu'a passé dans le pays d'Haïti à les préoccuper. Yo dit, yo prend une décision côté. Yo empêcher moun sa yo rentrer dans pays yo empêcher citoyen haïtien sa yo kit avèk an Haïti mais parfois ki gen famille yo Canada États-Unis mais combien tout ki gen business nan pays yo ki gen kay nan pays sa yo bien autorité sa yo yo di le fait que moun sa yo participer nan bazar nan trafic d'influence et etc. Je dis, je prends une décision côté, je empêche Mounsayo d'aller dans le pays où il est ouvert. Et si vous avez un compte, même il y a un gilet. Mais dans ça, c'est une décision que vous prenez. Je dis, c'est une décision politique. Le fait que décision ça, ce n'est pas un juge, ce n'est pas une autorité judiciaire qui rend décision ça. Mais de l'autre côté guerrier, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, il y a des gens qui ont toujours dit des choses. Il y a des gens qui ont toujours accusé. Mais cependant, vous-même, tout autant vous comparez devant une instance concernée, vous comparez devant la justice pour dire qu'on fait aveu, qu'on fait parler la voix, ou bien pour nous prouver, qu'on fait le vrai pour nous sanctionner. Jusqu'à présent, vous-même, lui-même, il était comme un monde accusé. Mais comment on va se défendre de la monde qui s'arrête? Nous disons, dans le moment, il y a plusieurs gens qui ont été pour nous faire parcourir. Mais il y a, comme disait pour l'auditeur avec l'auditrice, monsieur Sahara, pour faire parcourir bien, il demande une volonté politique. Et volonté politique, ça, là, il y a intérêt à accuser avec toute la famille, là, il y a intérêt. Les États-Unis, Canada, qui disent des informations. Et là, intérêt la population haïtienne qui bientôt va gagner pour participer dans le renouvelé personnel politique, à savoir choisir pour aller à l'élection, choisir pour nous représenter dans l'élection. Maintenant, intérêt, c'est que le Canada, les États-Unis, ils disent bien pour côté montage participer dans le Baïzam. Et non, augmenter la question de là. Maintenant, c'est les États-Unis qui disent, c'est le Canada qui dit, et ils prennent la décision qui est section politique, parce que section politique, ça, lui seulement est atteigné dans sa mission de gagner en termes de voyage dans le pays. Mais nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui sont dans le pays, qui sont victimes de kidnapping,
insécurité, violence sous femme, violence sous fille, moun qui te gagne bien, yo viole, moun qui te dit kayo, bagay la pa ka aider seulement dans le niveau politique, faut que l'irriver dans le niveau judiciaire. Et c'est lorsque l'irriver dans le niveau judiciaire, et bien là, qu'on y a là, parce qu'il y a une possibilité pour moun ta yo défendre, yo famille, yo même yo connaît exactement, parce que même famille yo, yo pa connaît effectivement, est-ce que moun yo fait le pas faire le non? Parce que ce n'est pas une décision judiciaire. Maintenant, trois groupes qui ont été dans la question ça, pour ne pas courir la justice là, c'est mon accusé, le qui a été pour ne plus encourager l'autorité haïtienne pour dossier dans le livre et faire route la justice. Les États-Unis, le Canada, quelque part, le fait que vous faites une accusation de autant de fois qu'à participer pour permettre, pour faire tout le monde ça à ces vérités liées. Les États-Unis ont intérêt pour encourager et l'autorité haïtienne pour faire la justice. Et la population haïtienne a intérêt tout parce que je dis à nous pas un parlement, nous pas un président. Donc ça pour dire si effectivement messieurs ça yo participé dans bagaille ça au vrai et puis pour aller gagner élection et puis c'est mon gars qui candidat. Et comme le problème qui pose là, c'est au niveau confiance là. Est-ce que la justice pays ça, j'en dis là, il y a une capacité, il y a un moyen politique pour faire un procès juste et équitable de ensemble de ça qui en pile là-dedans pour participer dans mettre des juges, dans influencer décision ou bien monde qui a intégré système à part la justice en lui-même. Guerrier, vous parlez de moyens politiques. Et c'est ça que fait nous-mêmes. Une proposition nous fait, c'est que nous demandons pour que l'autorité haïtienne fasse une démarche qui a mené dans une entrée judiciaire. Et c'est dans l'entrée judiciaire là même, ça veut dire qu'il y a une coopération qui existe entre les autorités haïtiennes et l'autre pays qui accusait les citoyens haïtiens. Maintenant, il n'y a pas de moyens pour jouer des informations. Et ça, le Canada dit le gagne, les États-Unis dit le gagne, c'est eux-mêmes qui gagnent. Mais légalement, le mécanisme, il doit mettre en place pour information le Canada gagne, information les États-Unis gagne. Sous monde qui c'est haïtien qui participe le crime ça yo, qui mécanisme yo doit mettre en place pour permettre information ça yo utile la justice haïtienne et en conséquence pour yo capable de garder si effectivement monde ça yo qui participe dans tout ça les États-Unis Canada yo dit yo pas monde ça participe à le ça non seulement monde ça yo et politiquement, il y a sanctionné, mais il faut voir la sanction pénale. La sanction pénale, c'est que Mounsayo, si toutefois il a commis infraction, ça y est, côté yo baïzam, yo participe à tuer moun, de près ou de loin, yo mérite dans ça, et bien là, il faut voir l'aspect pénal de la question. Ça veut dire, faut que Mounsayo sanctionné et pénalement pour que. Sauf si on voit aussi la société à vous dire, écoutez, ça ne va pas nous reproduire encore. Donc si vous parlez des moyens politiques, eh bien, c'est parce que nous constatons l'État haïtien capable de pas gagner suffisamment de moyens pour mener question à côté de l'arrivée. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous proposons pour que c'est via une entrée judiciaire pour l'État haïtien lui-même lui et mener pour cela. Sujet, c'est décision ça, le gouvernement prend pour que tout ministre, secrétaire d'État et directeur général de l'administration publique là, qui a quitté le pays, donc il faut que j'aie une autorisation signée de Ariel Henry pour capable de voyager et agent immigration de recevoir l'aide pour ne pas quitter aucun gros fonctionnaire dans l'État voyager et depuis le pas gagné autorisation ça,
même lorsque c'est pas pour un voyage officiel, donc même lorsque le passeport privé, donc régulier, officiel ou diplomatique, faut que l'on ait une autorisation de Premier ministre. Et nous avons tout fait, ou une position par rapport à la décision ça. Effectivement, nous avons une position par rapport à notre cycle FANOE qui est sorti. Parce que comme défenseur de droits humains, nous n'avons pas gagné pour nous garder couleur. Nous n'avons pas gagné pour nous garder origine. Nous avons pour nous arrêter de manière objective et impartiale. Ça veut dire que depuis que nous avons violé les droits humains, les défenseurs de droits humains, l'organisation de droits humains, nous avons pris des positions. Il y a un sacrifié la vie privée. Bien sacré liberté de circulation. Ça veut dire, même si vous êtes un fonctionnaire de l'État, fonctionnaire de l'État, par le dit, ou pas gagné et droit à la vie, ou pas gagné en vie privée, ou pas gagné pour jouer, ça sacré liberté de circulation. Et nous pensons que c'est une décision, c'est tellement un pays affaibli. C'est tellement nous avons un État qui affaibli. C'est tellement que les bagailles apparaissent mal, et puis chaque fois nous voulons montrer, nous administrer, et puis décision nous prenons, c'est des décisions terre à terre, nous en bas de plus. Comme défense des droits humains, moi je suis capable de dire, même si nous sommes des fonctionnaires de l'État, mais il faut que nous respections la vie privée, il faut que nous jouions de la liberté de circulation. Si vous voulez garder des décisions, mes amis, où nous payons des appartements à fonctionner, où nous payons côté même eux, même qui soit disant autorité, ils n'ont pas même qu'à travailler parce qu'ils ont des problèmes. Qu'on y a là, si nous mettons sous décision, ça veut dire que les ministres, ou directeur général, ou secrétaire d'État, si toutefois, on travaille dans l'État où là, et puis on fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, alors, vous arrivez dans le mois de décembre, et puis, on dit 12 décembre, et puis, on recevoir, qu'on y a la même, les fonctionnaires recevoyant une nouvelle, et côté, on dit, mes petites lits, l'hôpital, mes madame, ni l'hôpital. Alors, pendant madame, ni l'hôpital, petit l'hôpital, lui obligé d'être à chercher une autorisation pour voyager. Là, le petit lit, parce que les fonctionnaires de l'État, il faut joindre une autorisation. Même si on décision nous dit, ça, c'est vrai, il y a pris disposition, ploté qu'à montrer, il y a mis des principes, mais pendant vous voulez mettre des principes, pour ne pas devoir violer les droits de nous tous. Mais Camille, est-ce que tout, c'est pas logique dans ça, dans le sens que fonctionnaires, ça, c'est des fonctionnaires, et que l'État n'a pas besoin de n'importe qui moment. Donc est-ce que capable de faire tout pour, c'est un demander, et nous avons besoin de ministre financier, et puis les Miami. Ouais, besoin directeur général et ministère des Affaires sociales, et puis les New York. Non, attendez. Moi, je dis tout à l'heure, nous pouvons mettre des principes parce que nous n'avons qu'à fonctionner dans des autres, et c'est des autres qui nous aident dans cette famille-là. Maintenant, battre pour corriger ou pas capable de violer le droit monde. Pas oublier, qu'on a su qu'on travaille lundi au vendredi. Lundi au vendredi. Et puis, on va voyager samedi, on est obligé. On va voyager, nous rentrons dans le cas de force majeure. Nous sommes capables de comprendre. Alors, ça veut dire, en principe, nous n'avons pas de besoin de guerrier. Nous ne pouvons pas faire une sortie. Mais il ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'autorisation en tout. Donc on a tout dépend de pour quelle raison. Attendez. Maintenant, c'est la démarche. La démarche. Nous ne pouvons pas faire une sortie comme porte-parole fonctionnaire. Mais comme nous devons défendre le droit à monde, il y a un droit à tout. Nous disons que ce n'est pas normal. Nous sommes dans l'État. Nous ne pouvons pas parler de la même guerrier. Il y a deux personnes qui sont dans l'État. Qui est 4 mois de pas de pays qui a touché. Au contraire, au niveau de l'OCNH, nous pour faire des marches
pour que la seconde des mondes avant même de sortir. Effectivement, nous avons quitté en feuille de route, lui bail des responsabilités à des mondes avant de sortir, pour n'en pas là, mais institution nous avons liberté individuelle. Nous avons liberté de circulation. Ça veut dire, si on travaille lundi ou vendredi, je dis au petit malade, madame malade, ou bien au proche, ou bien au juge. Même si ça on peut faire à parent que notre travail là, avant d'aller obligé de joindre une autorisation. Non mais qui nous, non mais un directeur général. Qui côté directeur général là? On dit que tu as doué rentrer aux États-Unis, Canada, la France, non, dimanche. Et vous recevez la nouvelle là dans samedi. Est-ce que ça obligé à côté directeur général là? La carrière de l'Alzien parce que le travail lundi ou vendredi. Même nous. Est-ce que vous pouvez considérer ça comme exception dans la règle de Chamètre? Ça va gagner. Même exception dans la règle de limite. Il y a une limite. Limite là, est-ce que c'est force faisable? Force faisable. C'est le cas dans le match, côté où dit bon, vous constatez qu'effectivement, bah, là, c'est trop facile. C'est que bien des mondes, depuis qu'ils ont été pour ça, ils ont juste passé, ils ont fait 2 mois, ils ont fait 3 mois, ils n'ont pas jamais dit qui ça a réglé, et puis ils continuent à pousser. Maintenant, au lieu pour nous faire ça qu'on y a là, est-ce que ils n'ont pas bien un système de contrôle dans l'institution? Si on veut combattre ça qu'on y a là, il faut qu'il y ait un système de contrôle. Il faut que vous mettez des dispositions pour permettre un jour, 2 jours, de parler au monde. Qui ça, vous a fait? Et après 2 jours, 3 jours, de parler au monde, le monde s'est tourné. Est-ce que pas gagné pour barrer l'explication? Mais là, par exemple, on dit que tu as un geste dans le pays à lui-même. Il dit que le document qui peut signer, c'est tel ministre ou directeur général qui peut signer. Et le gouvernement, c'est un dossier à la main pour le ministre. Et puis c'est le télé comme ça, elle a fait contact avec le ministre de finances pour lui. Le ministre de finances par le pays d'Haïti. Derrière, c'est bien sacré. Allez, derrière. Même Jean a dit que ça n'a pas prouvé que Bruno Joss qui m'a dit faut que le ministre l'a déplacé, faut que le directeur général l'a déplacé parce que quand même dans la vie privée, il y a une famille. Mais même Jean tout, il y a une obligation tout par rapport à la fonction de l'occupé. Donc est-ce que il est capable de mettre cette tendance, mais ne tendez pas dans le pays en tout? Il y a une délégation de pouvoir. Tout le bagage doit planifier. Même si vous avez une urgence, vous n'avez pas de radio là. Pendant la radio, il y a là. Et puis, il y a les guerriers, il faut qu'on ait une urgence. Ça doit être là, c'est ça le plus dur. On va l'assurer. Non, avant de vous rassurer, par rapport à la responsabilité de la radio, ok, on va qu'à lever tout pour nous, parce que nous avons urgence, pour me parler les patrons, pour me dire, ah, déjà, moi, on n'est pas là, Michel Abkembe, pour moi, et bien, on n'est pas là, on a que de vous. Donc, ça dit, autorité, supérieure, là, supposée, informée, quelle est la circonstance là? Maintenant, si il y a urgence, de toute façon, c'est où pour déplacer, pendant que vous déplacez, vous avez deux bagages à faire. Comme obligatoirement, c'est où pour venir, vous n'avez pas de choix, vous avez venu. Mais pendant que vous venez, un, vous avez informé PDG ou vous avez sorti, parce que vous avez urgence, c'est où pour aller. Mais non seulement vous avez informé PDG par rapport à ça, mais vous avez deux bagages à faire. Si toutefois je ne pas ta vie, ça va dépendre de la situation, je me rassure, je ne peux pas parler avec moi, même pour dire écoutez, faites ça pour moi. Pour si je ne pas venir. Maintenant, par rapport à la décision que je prends là, l'étape importante, d'ailleurs, nous ne sommes pas consultants autorité, même quand je dis ça, nous pensons que c'est plus bon. À cette phase, il faut gagner information, il faut gagner une délégation de pouvoir. Il y aura toujours limité question, genre,
autorité toujours a déplacé n'importe leur dans la période fin d'année. Mais cependant, si on a déplacé, avant de déplacer, faut lui quitter une note d'information pour lui déplacer. Et en termes de suivi, mais qui est ce monde, si il y a une urgence qui est capable de signer ou bien et participer dans la réunion pour lui. Quand il y a, si de toute façon, il y a une autre bagarre pour venir, maintenant, c'est l'administration, à l'interne, il y a une formule. Nous même positionnons, hein, c'est le fait que je dis obligatoirement qu'il se voit officiel ou bien privé, il faut que nous ayons une autorisation, oui. Or, nos pays pas fonctionné. Il y a un pays qui n'a pas fonctionné. Le directeur général, ça le dit, qui pour bailler, il a annoncé, il dit qu'il doit prendre autorisation. Même le ministre, le directeur général, il n'y a pas de travail tous les jours. Et qu'on a regardé qui conséquence ça capable de gagner sur la famille.